Maintenant, accueillons M. Sylvain Dufresne, votre président, pour une brève réflexion. Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce 50e congrès de notre association, l'Association des chefs en sécurité incendie à Rimouski. C'est avec beaucoup de fébrilité que je suis ici ce matin, afin de lancer notre 50e congrès de la CIG, événement qui représente 50 ans d'évolution. En préparant cette allocution, j'ai eu une pensée toute spéciale pour les anciens membres du conseil d'administration de l'association. Ils ont mené la CIG, notre association, à travers ce long parcours, parsemé de défis. Ils ont tous su le relever avec brio. Merci pour votre engagement. Aujourd'hui, en 2018, les challenges qui nous attendent sont aussi adressés avec engagement. Et les jours qui viennent seront installés les prochains jalons stratégiques de notre organisation. Le comité congrès vous a convoqué un événement qui nous le souhaite. Ça va satisfaire vos besoins d'apprentissage et de résultats. Le salon d'exposition, quant à lui, vous offre une qualité de produits, une diversité de produits et de services qui pourra certainement combler les besoins dans l'exercice de vos fonctions. Nous nous sommes également assurés que vos conjoints et conjoints puissent aussi y trouver leur intérêt avec des activités régionales de qualité. Je vous souhaite donc un magnifique congrès 2018 et je vous invite à partager vos attentes et préoccupations avec vos fiers représentants de votre conseil d'administration de l'ACCIP. Ceux-ci vous attendront au kiosque de l'ACCIP situé au centre de l'exposition. Nous avons cette année un nouveau kiosque qui nous permettra, et c'est important pour nous, de vous recevoir, de vous entendre et d'échanger. On souhaite vous y voir en grande. En terminant, je vous convie cet après-midi à un moment historique. Nous nous réunirons en grand nombre à notre Assemblée générale extraordinaire afin de nous permettre de décider tous ensemble de l'orientation à donner à nos efforts stratégiques collectifs. Je vous souhaite à tous un bon congrès. Merci.